Donc nous allons donc maintenant, en, dans le paragraphe 6.1.2, nous intéresser à Ethereum, la blockchain de seconde génération. Je vous invite également à aller voir un petit paragraphe dans le chapitre 5, enfin paragraphe chapitre. Je vous avouerai que je fais un peu voilà la confusion, mais vous m'aurez compris. Le 5.6.4, où j'évoque en fait Ethereum, la DAO, le fork de TC en E. De TH pardon en euh, Ethereum classique. Également allez voir par exemple le chapitre qui va pouvoir, les chapitres qui vont vous intéresser euh, ERC20 une norme un standard euh, pour la levée de fonds les ICO euh, comment est-ce qu'on distingue un token d'un utility d'un security comment évoluent les cadres réglementaires euh, etc allons-nous vers une tokenisation de l'économie infinie avec des possibilités infinies etc etc puis allez voir si ça vous intéresse également ma chaîne YouTube Rentrez yepapod.global dans le moteur de recherche, ajoutez le mot-clé token ou ERC20. Voilà, il y a plus de 600 casques audio sur euh, l'éruption de nos modes de vie. Alors, rappel, chapitre 2.2. Donc, ce chapitre 2, il était consacré à comprendre quelles sont les révolutions importantes du présent que l'on connaît actuellement ou qu'on a connues récemment et qui pourraient influer en fait la direction de nos futurs. Donc, rappel chapitre 2.2. Par exemple, Eutérom, dans la famille intelligence artificielle par alliance, je demande le beau-fils. Donc, Eutérom, il est, lui, euh, à la différence de, de Bitcoin, il a son papa qui est connu. Et lui, a priori, il n'aurait qu'un père euh, biologique. Ou Voire même on pourrait se poser la question, information, désinformation, celui qu'on nous présente n'est pas le vrai papa, et indirectement peut-être que il euh, bah, y a plusieurs papas biologiques et que certains sont peut-être inconnus. Il y a peut-être des multi-donneurs, hein, on ne sait pas, hein, qui ont fait euh, qui ont fait euh, qui ont stimulé la de ce projet. Enfin bon bref. Alors, mots-clés, en très simple pour plus de détails, voilà. Et, hein. Alors, qui euh, est à l'origine le papa alors Euterum Vitalik Butyrin, c'est un père biologique de la grande famille. Il a mis en place la fondation Euterum, c'était une idée euh, qui venait de 2013, créée en juin et en août 2015. C'est une version du protocole déployée. Euh, la version du protocole a été déployée en mars 2016. Donc il est euh, fascinant, ce personnage. Euh, il fait des interventions en direct, allez l'écouter. Euh, il est fascinant, il est très fascinant. Donc, c'est un papa, il est euh, papa de ces nouvelles technologies, il est, il est très jeune hein, quand même, euh, comme quoi euh, la maturité euh, n'a pas d'influence sur euh, le potentiel de, bah, de nos nouvelles générations. Hein. Donc, il est très jeune, c'est un très digital natif, je dirais, date de naissance 94, euh, nationalité russe canadienne, canadien. Euh, il aura choisi pour sa fondation Eutérum ben, la Suisse comme terre d'accueil première. C'est un petit génie, à mon sens, des sciences informatiques, je dirais même des sciences intégrées mathématiques, économiques, robotiques, voire même peut-être même politiques, même si euh, il ne prend jamais parti. Est-ce qu'il est brillant Point d'interrogation, à mon sens, euh, oui, <laughs> à côté de moi, c'est sûr. Je, voilà, il est c'est un brillant développeur, un programmateur. Est-ce que en plus c'est un personnage qui est éthique bah, L'avenir nous le dira. Euh, est-ce qu'il a des origines biologiques qui auraient pu conditionner ben, ses façons de déployer son projet Si on regarde sa père, son père et sa mère, est-ce qu'il est né plutôt euh, bah, d'origine, on va dire euh, riche ou alors de père pauvre voilà dans quel environnement en fait il a évolué au plus jeune stade de son développement. donc est ce qu'il euh, y a eu euh, des influences affectives et émotionnelles qui vont conditionner en fait la sortie du virage de ces technologies de demain? en fait c'est quoi sa politique de fonctionnement et quelles sont les valeurs au fond qu'il défend? Pour être capable de connaître quelles sont les valeurs derrière un projet, au fond, il faut euh, aussi être capable d'identifier les valeurs derrière un personnage, derrière un créateur, derrière un inventeur, je ne sais pas, point d'interrogation. En tout cas, pour revenir à ses parents, est-ce qu'ils ont influencé, ce qui pourrait influencer en quelque sorte ses parents, ben, indirectement, euh, le, le chemin qu'on va emprunter dans nos vies futures euh, En tout cas, le papa, euh, Dimitri Butyrine, lui, euh, a priori, c'était un féru de sciences informatiques et euh, sa maman, Natalia euh, Améline Butyrine, elle, elle travaillait dans la finance depuis et euh, cumulait à peu près une vingtaine euh, d'années d'expérience. Donc, est-ce que ce personnage il a eu un déterminisme génétique plus ou moins acquis Est-ce que ce sont des influenceurs directs ou indirects qui auraient commencé aussi peut-être à l'université? Il a peut-être été conditionné par euh, des amis, à aller voir sa vie universitaire à Waterloo, Est-ce que c'est de l'information de la désinformation? Mais je pense que c'est intéressant de connaître un personnage, ses valeurs comme je vous dis, pour essayer de comprendre quel sens il veut donner dans le futur à un projet. Qu'est-ce qui va le défendre Qu'est-ce qui, euh, qu qui le fait agir et qu'est-ce qui le motive au fond Alors, Ethereum, cette blockchain de seconde génération, quels usages à la différence euh, de la blockchain de première génération Bitcoin Alors, oh, ok, il existe une similitude de base au regard de certaines propriétés énoncées précédemment avec la blockchain Bitcoin, mais il existe surtout de nombreuses particularités qui vont les distinguer et qui vont conférer justement des parts propriété supplémentaire, voire même complémentaire, à l'avènement de ces nouvelles technologies et cette blockchain de seconde génération, Bitcoin, euh, Ethereum. Ethereum tient lieu, pour moi, en fait, en quelque sorte, d'être le père à l'origine de nombreuses promesses tout aussi ambitieuses à tenir, des futurs challenges qui s'apparenteraient à vouloir monter l'Everest. Est-ce que c'est possible, réalisable Au fond, oui, peut-être, certains l'ont fait, mais ceux qui ont le plus apprécié de le faire ont su parfaire leur préparation avec sagesse et détermination avant de se jeter tête bêche dans des conditions hostiles. Ce que je veux dire par là, c'est que le challenge sous-entendu par le projet Ethereum est énorme. Au fond, connaître la personnalité d'un porteur de projet ou d'un créateur, d'un inventeur, ça permet de comprendre aussi s'il si est à la hauteur de supporter un tel challenge. Pour supporter un challenge, il faut une préparation physique au préalable. J'ai voilà, fait une petite image avec la montée du Mont Everest. Mais voilà, est-ce que son déterminisme génétique inné, acquis, euh, va lui permettre de euh, bah, concrétiser les challenges supportés euh, par cette technologie Parce que la blockchain Ethereum, elle offre donc des promesses infinies de permettre de connecter notre monde réel à un monde plus virtuel. Grâce à une sorte de web décentralisé. Donc, c'est un challenge de devenir en quelque sorte, indirectement, on pourrait le comparer à devenir un nouvel ordinateur mondial public de demain, qui va permettre de plus en plus de créativité et de stimuler la tokenisation d'une nouvelle économie, donc de nouvelles valeurs ajoutées. Intelligible, cette technologie, cette blockchain Ethereum, elle est complètement intelligible par ses capacités d'automatisation dans tous secteurs confondus. Euh, comme je vous ai présenté, moi, en 2013-2014, j'avais fait une thèse sur le blockchain et la rupture euh, des secteurs financiers et bancaires, notamment avec, les, fin avec euh, les FinTech, FinChain, les Dex. Et aujourd'hui, on voit qu'on va bien plus loin. Ça regroupe tous les métiers des tiers de confiance, mais également les secteurs de production, automobile, industrie, supply chain, distribution, santé, énergie, industrie agroalimentaire, etc. Donc la possibilité d'encadrer les gestions plus ou moins complexes autour de toutes les étapes possibles d'échange d'informations. Également telles que des votes, des titres, des documents, des actions, des obligations. Donc là, on va vraiment vers une transformation systémique et systématique de l'intégralité des process de nos vies. La réponse à ces challenge repose en premier lieu sur les propriétés de programmes automatisables qui s'exécutent automatiquement en fonction de conditions prédéfinies, les smart contracts. Autour de ces nouveaux produits, services, actifs, le paradigme d'une nouvelle économie de tokens pourrait bien émerger. Ces moyens technologiques représenteraient alors des technologies qu'on pourrait appeler des technologies de rupture aux répercussions explosives, ou alors des technologies avec des implémentations progressives. Si leur challenge était relevé, serions-nous face à une quatrième révolution industrielle Et pourtant, pas que, une révolution peut-être sociale des modes de penser, des modes de gouverner. Euh, pourrait complètement amener des points de rupture dans nos manières de, de concevoir notre vie. Ethereum, maintenant blockchain de seconde euh, génération. Ok, on va faire un petit focus technologique. Je vous invite à me suivre et je vais plutôt euh, tracer ce focus technologique juste en vous faisant réfléchir sur des mots clés. Je vous laisserai aller les rechercher plus en, en profondeur si vous avez besoin d'étayer les sujets. Donc, focus tech, c'est bien une blockchain publique ouverte, la blockchain Ethereum. C'est une sorte de DAO, Decentralized Autonomous Organization. Protocole chiffré. Elle a un registre distribué sur un réseau Ethereum. Il offre des particularités spécificités au regard de sécurité, de transparence. Il est immuable, de stabilité, de fiabilité, de non-corruption possible, avec plus ou moins un périmètre de flexibilité, de programmation automatisable, en plus plus ou moins des couches à implémenter supplémentaires. Des choses à interconnecter, communication et autres, donc plus ou moins évolutif, avec un fonctionnement plus ou moins en continu, associé à quoi Des smart contracts. Voilà, ces smart contracts, ils vont être plus ou moins simples, voire même très étayés, plus ou moins complexes, voire même offrir des possibilités d'évolution en fonction des conditions prévues au préalable. Donc, l'ordinateur mondial y communiquerait en permanence avec ses bases de données de ces ordinateurs dits distribués qui retraceraient séquentiellement plus ou moins qui a fait quoi, quand, comment sur des sortes de lignes de code à la traçabilité irréfutable. Des lignes implémentées automatiquement sur un tableur Excel comment par des moyens des outils mis à disposition pour permettre la création construction de créativité infinie donc de nouveaux univers plus ou moins des frameworks clés en main plus ou moins simples d'accès pour des personnes parfois non développeurs ces ordinateurs seraient répartis dans le monde entier sous forme de réseaux plus ou moins décentralisés pire tout pire chaque participant mettant à disposition des moyens exemple ses ressources ses capacités de stockage voire même une puissance de calcul qui pourrait Provenir d'un particulier, d'une entreprise, d'une collectivité, d'une institution. Et ces derniers, pour euh, avoir participé à fournir des ressources, se verraient alors gratifiés à l'aide d'un jeton, le token qu'on pourrait appeler l'Ether. C'est une sorte de gratification, récompense, une sorte de tips. En fonction des conditions préétablies du service ou du produit échangé, ce réseau, il offre indirectement la capacité de créer de ce fait des applications infinies. Et les éthers, ou encore ETH, représentent aussi également indirectement le fuel, l'énergie, le gaz, en quelque sorte le carburant, pour faire fonctionner ce réseau, mais représentent également l'actif numérique retrouvé dans des portefeuilles reliés à cette blockchain. Donc le token, en quelque sorte, c'est plus ou moins du gaz, ce que va vous coûter votre transaction, plus ou moins adossé à une valeur de confiance numérique du contre-échange. Sortent, en quelque sorte, de nouveaux trocs numériques. Le protocole de la blockchain Ethereum offrirait donc des opportunités de décentralisation des applications fonctionnant sur le réseau Ethereum et de créer ainsi autour des réelles nouvelles économies, peut-être plus collaboratives, plus participatives, adossées à des nouvelles valeurs de confiance qui se plus numériques. La complexité de cette blockchain Ethereum repose sur son protocole, des lignes de code, ses smart contracts sortent ou plus ou moins l'équivalent de macros qu'on pourrait implémenter sur un tableur de type Excel pour essayer de faire simple, et dont les traçabilités d'exécution de ces smart contracts sont consultables par les détenteurs du code source du contrat. Il... Cette blockchain Ethereum permettrait d'interconnecter des DApps e apps et des IOTS. Qu'elle pourrait alors interconnecter, faire communiquer entre eux, ce qui augmenterait de façon impressionnante les quantités de data qu'elles pourraient collecter, traiter, voire même stocker. Les ordinateurs de ce même réseau par les ordinateurs de ce même réseau. Donc le challenge de l'ère de l'exploitation économique plus collective, plus participative autour du big data pourrait être envisagé cette fois-ci à une échelle planétaire. Néanmoins, un point majeur est limitant ces technos, même si elles font rêver avec les nombreux challenges, restent des technos jeunes, même si elles sont prometteuses, mais néanmoins elles demeurent abstraites. À ce jour, aucune application concrète n'a pu être approuvée et éprouvée du grand public. Focus quand même, un petit retour également sur la personnalité de Vitalik Buterin. C'est quelqu'un de très, très, très actif. Allez voir sur la source web Crunchbase.com. Vitalik Buterin, il est également board et advisor euh, chez euh, Kyber Network, ICO Advisor. Augur, également advisor. Clearmatics, où il est advisor. The Ion Network, il est ICO Advisor. Omise. ICO Advisor, WeTrust, oui Advisor également, et Nuco Advisor, etc., etc. Pour les projets dont on n'a que la partie visible de l'iceberg, mais dans un iceberg, on se représente souvent 90% qui est complètement immergé et non visible. Donc, information, désinformation. Où est-il vraiment Sur quel projet est-il vraiment en support Quel projet il pourrait potentiellement dynamiser ou dynamiter Je ne sais pas. Alors, transition. Si on a connu les ondes plus ou moins de chocs, plus ou moins facteurs de risque ou opportunités de la révolution internet et des différentes vagues de révolution internet, il n'en est rien comparé au potentiel de ces deux technologies qui, à elles seules, le bitcoin et l'Ethereum, sous-entendent des promesses de révolution majeures à venir sur des transformations, ruptions, disruptions, plus ou moins des intelligences artificielles. Allons-nous vers des blocs Ubérisation tsunamique de tous nos process de vie, de tous les secteurs économiques, financiers, industriels, institutions, pouvoirs publics, voire sur nos façons d'éduquer nos enfants potentiellement, de repenser nos acquis. C'est-à-dire que nous avons été programmés, nous avons appris des choses de par nos programmes de formation. On peut s'imaginer que plus tard, on va nous apprendre à désapprendre ce qu'on a appris parce qu'indirectement, nous nous avions mal appris. Ça va peut-être nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc, bref. On peut tout imaginer comme transformation future. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de folies médiatiques qui nous conduisent à nous concentrer et à concentrer nos attentions sur les courses effrénées à la spéculation. Toutes les intentions devraient se concentrer, c'est ce qui est regrettable, plus sur la nature des technologies sous-jacentes. Quelles sont les propriétés et particularités technologiques directes Puis à quels moyens, outils indirects peuvent-elles être, peuvent être rattachés est-ce que ces technologies elles sont déjà existantes, elles sont à venir? Est-ce qu'il y a des choses possiblement rattachables qui nous permettraient en données de sortie d'améliorer nos conditions de vie futures? Qu'est-ce qui pourrait démultiplier leur force de frappe, leur synergie à terme pour aspirer vouloir transformer quelles données d'entrée dans ces processus de transformation pour en faire quoi? Quel usage, quelle utilité, quel service, quel produit, quelle application pratique et pour répondre à quelle politique qualité, sécurité, santé, sûreté? Point d'interrogation. Quelle valeur ajoutée? souhaitons on obtenir à l'issue de ces transformations en données de sortie Alors, néanmoins, ces derniers points ils sont quand même à nuancer. Il est à considérer les risques majeurs de ne pas savoir comment on doit ou on devrait anticiper, car l'ensemble de ces promesses, au jour d'aujourd'hui, sont plus orales, écrites que pratiques et concrètes. En effet, les rares technologies sont encore très abstraites à ce stade où je rédige cet essai. Les projets déployés sont jeunes, parfois non matures et non réellement testés en pratique, voire même non encadrés dans des gestions de projets de type SDLC. Bref, il y a des challenges encore... Et de nombreux projets qui sont seulement au babuciment d'une phase recherche et développement vraiment très expérimentale. Pour autant, ce qui tend à se développer, se développer de façon production industrielle tourne autour du matériel issu de l'IT, l'informatique technologie, des infrastructures, des applications, des interfaces, des API, des moyens de coder des nouveaux langages informatiques au service de nouveaux outils, moyens, des besoins. Bref, de nouveaux mo moyens matériels dominés, de, de nouveaux moyens visant à renforcer l'émergence en quelque sorte des écosystèmes blockchain ou chaîne de blocs ou DLT, etc., etc. Donc allez voir le chapitre 3 où je détaille ces différents points technologiques avec force faiblesse et les challenges que euh, nous aurons à surpasser et comment euh, ces nouvelles solutions technologiques sont également très dynamiques et évoluent énormément. Alors, des boucles, des cycles sont perpétuellement dynamique pour assouvir toutes les créativités technologiques. Donc il semblerait qu'aujourd'hui on n'a pas de limite car en fait on a une soif de concrétiser bien trop de rêves. C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans euh, le troisième chapitre, quelles étaient les substances, les moyens potentiels disponibles ou plutôt mis à disposition. Cette fois-ci maintenant, hop, on rentre vraiment avec plus de profondeur dans le chapitre 6.1.2. Alors, Techno, son inventeur créateur, profil Vitalik Buterin. Il est pensé, conçu, déployé ce projet en 2013. On l'a vu, juillet 2015. C'est une Techno de seconde génération, historiquement la plus éprouvée après le Bitcoin. Son symbole, le TH, ou l'ETH H, avec sa fonction de hachage, sa chaîne publique, mais possibilité de switcher en chaîne privée aisément. Petit mot clé également. Allez voir qui est Aaron Fisher. Alors, particularité de cette techno Elle a la possibilité de euh, consommer, je vais dire, du gaz, du fuel, c'est une sorte de carburant central du fonctionnement dans une phase précoce d'émergence de nombreux autres écosystèmes qui lui sont rattachés. Des algos de consensus en évolution, mutation perpétuelle. Proof of work, bientôt proof of stake. Focus sur la particularité des preuves par les algos de consensus. Est-ce au fond vraiment un avantage concurrentiel, un facteur clé de succès pour remplacer le proof of work. Inconvénient, faiblesse. On l'a vu, proof of work sous-entend une augmentation à prévoir des frais de transaction liés à la difficulté de résolution de l'énigme sous entendu pour valider un bloc. Comparativement au proof of stake, moins gourmand, donc plus optimisé. Mm -mm, mais quid de la sécurité attenante à tout ça On y gagne d'un côté, mais on y perd souvent de l'autre. Tout fon système fonctionne à l'homéostasie. Voilà. À l'équilibre. Focus sur les particularités du langage utilisé pour cette techno. Alors, solidity, solidité, langage. Langage Ethereum proche de JavaScript, permettant d'écrire les smart contracts. Ethereum serait actuellement la plateforme la plus avancée en termes de déploiement de smart contracts. Plus ou moins des documentations étayées sur le sujet, disponibles également, voire même euh, de nombreuses communications sur l'avancement des équipes. Plus ou moins réellement euh, la véracité sur la transparence de la communication sur les réseaux, etc. etc. Donc, comment être sûr que nous sommes dans le vrai et qu'on nous, nous communique les bonnes informations Difficile. Les smart contracts, en tout cas, devront utiliser le langage Solidity. Néanmoins, les 10 apps, quant à elles, pourront être codées dans n'importe quel langage par l'outil API HTTP permettant d'échanger des informations, donc de communiquer avec la blockchain. A noter que cette chaîne publique pourra aisément basculer, comme je l'ai dit, en chaîne privée. Allez voir les cas d'usage pour les entreprises dans mon dernier paragraphe, le 6.5. Confère le paragraphe par exemple 3.1.6 si vous voulez voir qu'est-ce qu'on appelle une API. Alors, il y a beaucoup de challenges également qui reposent sur cette blockchain de seconde génération, des challenges, des facteurs clés de succès, des avantages concurrentiels. Parmi tout ça, le challenge de la scalabilité, ralentissement des applications lors de la montée en charge à grande échelle. Il y a beaucoup de projets concurrents également qui émergent, entre autres EOS, mais pas que. Euh, quelle sera dans l'avenir la force du token ERC20, du standard euh, Comment vont émerger euh, les contrats intelligents Comment vont-ils être euh, concrétisés C'est un gros challenge, les contrats intelligents. On l'a également traité dans le chapitre 3, ça sous-entend des choses très très complexes qui mêlent des sciences intégrées entre le droit, la justice. Euh, L'aptitude de savoir coder, d'établir des, des arbres de décision, des fonctions on-on, on-off, on, si c'est pas euh, on, euh, comment on préétablit les conditions, vers quoi on amène le logigramme, etc. C'est très complexe. Et quelle profondeur on veut donner à ces smart contracts, etc., etc. Quelle utilité, quel usage derrière, et quelle responsabilité Qui porte la responsabilité en cas de non-conformité Voilà, l'humain, le développeur, euh, euh, le tiers de confiance de droit qui a peut-être travaillé indirectement euh, à l'établissement de smart contract peut-être un peu spécifique, etc., etc. Donc beaucoup de challenges. Développer un smart contract est non aisé pour le commun des développeurs. Déjà utiliser le langage Solidity, euh, voilà le plus communément utilisé. Alors je suis pas développeur, mais ce serait le C, voire le C++. Parce qu'il serait plus orienté objet, etc. Utiliser l'ETH comme un actif numérique, crypto-monnaie et/ou jetons, en plus sécurité utility, il n'y a pas de cadre réglementaire très strict, etc. Donc c'est pas si simple. Allez voir le paragraphe 3.1, rupture des moyens technologiques, qu'est-ce qu'on appelle les IOTS, les DApps, les API, les smart contracts, Oméga Pro logiciels intégrés en chaîne de blocs. Plus ou moins des nouveaux métiers automatisés. Focus sur les challenges majeurs de la techno. Devenir de plus ambitieux, efficient, intégré, intégrable, vers la ruée vers l'or. Des usages concrets Sommes-nous à l'heure des usages concrets Inspiration, confère Challenge Bitcoin avec le Lightning Network. Ici, la faiblesse de la scalabilité serait résolue, entre autres, par le sharding. Compensé par les efforts de RD autour de Plasma Light. Alors, allez voir mon chapitre 3 si vous voulez en savoir plus. Ethereum Lightning Network est une sorte de protocole hors chaîne, donc off chain, qui serait basé sur l'utilisation de canaux de paiement bidirectionnels élaborés en vue de dépasser les problèmes limités de l'évolutivité, notamment de la blockchain de première génération, que les problèmes d'évolutivité qu'on rencontrait dans la, pro, la blockchain de première génération, Bitcoin. L'idée étant d'atténuer ainsi le trafic en permettant aux utilisateurs de transférer de façon illimitée et en réduisant les frais et en, et en privé des jetons off-chain. Je ne sais pas ce que j'ai voulu mettre, excusez-moi. Donc, sans devoir utiliser et les, en... et les enregistrer sur le réseau public de la blockchain Ethereum en utilisant des messages signés. Alors. En fait, pour faire simple, c'est un peu comme si vous aviez une ardoise sur laquelle vous preniez les notes. Ce canal off-chain, en fait, c'est un canal qui est off. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez le canal, vous le mettez réellement sur la blockchain. Et donc là, par contre, c'est inscrit de façon immuable. Le but, c'est de désengorger et de désaturer les réseaux. Vu ensemble, éventuelles menaces, faiblesses autour de la techno, point d'interrogation. Problématique de mise à jour, nouveau ou ancien. Smart contract, voire nombreux bugs actuellement dans le code. Défaut de compétences de développeurs, défaut de compétences de juristes ou défaut tout simplement de ressources, de compétences de tiers de confiance humain. Comment faire interagir euh, ces corps de métiers qui avaient des vocations complètement différentes et aujourd'hui qui vont devoir interagir et travailler ensemble? Ça va demander d'avoir des personnes hautement compétentes pour les accompagner dans le déploiement de leur R&D, de mettre en place une team figurant parmi les plus dynamiques et la plus compétente. Les bugs majeurs, ils pourrait avoir des conséquences majeures parce que ça pourrait être des bugs au risque irréversible. Voilà, ou voire même on pourrait voir dans un futur en fait des défauts de ressources humaines compétentes pour encadrer, voire anticiper, voire déployer ces projets. Donc à terme, tout ça, ça pourrait jouer sur la faisabilité et pérennité de ces projets. Voilà, beaucoup de rêves, beaucoup de challenges, mais peut-être qu'à terme, il y aura des facteurs influenceurs indirects, comme la compétence, la multicompétence, euh, les compétences intégrées et la capacité des humains à interagir entre eux pour mettre en place une coopétition, euh, une synergie pour euh, vraiment stimuler l'émergence de ces nouvelles technologies. Donc on verra à court, moyen, long terme. En tout cas, nombreux challenges. Blockchain Ethereum est hache, fonction de hachage. Au fond, ça, c'est une faiblesse, c'est une limite, c'est un défi. On parle de consommation énergétique, voire d'efficience euh, du matériel informatique associé qui pourrait compenser beaucoup de choses. Mot-clé, là aussi, sans trop rentrer dans le détail, car je ne suis pas expert en développement informatique et je n'ai pas envie de vous orienter vers euh, des non-sens. Alors, si vous voulez plus de détails, allez rechercher en profondeur. Je vous invite à le faire. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction de hachage très évolutive Elle est évolutive parce qu'elle va permettre d'augmenter la sécurité. Elle va permettre d'éliminer les surcharges de calcul, optimiser l'accès à la mémoire. Les blockchains publics peuvent fonctionner en proof of work, puis basculer, comme le cas de la blockchain Ethereum, sur du proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu. C'était par exemple ce qui était prévu en janvier 2018, mais vous allez voir qu'il y a eu des changements de programme. Alors, le projet Casper. Mécanisme de consensus hybride, proof of work, proof of stake. Fonction de hachage ici, cette fois-ci on a SHA2. Plus ou moins des standards de type SA, SHA3. Plus ou moins des algos de minage. Virtuel, virtuel point d'interrogation. Le Dager Hashimoto, il vise à optimiser les vitesses d'accès à la mémoire dans la version 1.0 du ASIC pour Application Specific Integrated Circuit. Résistant par ses particularités de mémoire Point d'interrogation. On a un jeu de données initiales utilisées, 1 gigaoctet. Let H DAG pour Direct Acyclic Graph. Cache de 16 MO en client léger, régénéré tous les 30 000 blocs. C'est égal à une époque où un nouveau DAG est implémenté, généré, stocké. La taille du DAG augmente dans le temps. Fork et palier, c'est quoi un changement dans le protocole, changement de performance, d'accès à la mémoire, par les algos de minage, par la nature du travail complémentaire, voire même de GPU dont les performances devront accélérer aussi vite que la taille des DAG. Performance score sur indice de minage, ça, en d'autres termes, c'est le GPU MH et le méga H par seconde, c'est l'H rate. Par rapport à quoi bah, Par rapport à des watts consommés. Dans toutes les blockchains, les difficultés de hachage augmentent, semblent augmenter avec le temps pour générer les blocs. Alors, difficulté et temps de minage ici seraient appro approximativement environ 14. C'est le temps qui sépare deux blocs par le réseau. À la différence du bitcoin, la difficulté et le temps de minage ajustés tous les 2048 blocs. Pour un temps moyen entre les blocs de 10 minutes à cet instant. Alors, moi, je n'aime pas les données quantitatives parce qu'en fonction des progrès et des avancées technologiques, tout ça, ça change. Et à un instant T, vous allez écouter ce cast audio ou lire cet essai, ça aura déjà bien changé. Voilà pourquoi je déteste mettre des données quantitatives parce que à chaque fois, on peut les rediscuter, ces données. Alors, blockchain, Ethereum, un algo de consensus. Proof of work vers proof of tech. La blockchain publique, proof of work, preuve de travail, puis proof of tech, preuve d'enjeu. Donc, Constantinople, basculement vers janvier 2018, le projet Casper avec son mécanisme de consensus hybride qui vise par là même à changer la preuve de, le consensus et donc la sécurité des protocoles. Pour que faire bah, Limiter les coûts énergétiques, également matériels, augmenter la performance, conso et le rendement. Alors au fond ça c'est subjectif, il y a également de nombreuses discussions sur l'intérêt de ces forks ou pas. Par comparaison à quoi à qui Qui tient le discours Ça dépend en fait de où on se place et qui regarde et comment est-ce qu'on envisage optimiser cette déperdition d'énergie. Le proof of work. Attention aux contre-attaques de type Sybil, mise à mal de la sécurité par création de fausses identités par exemple dans un réseau de peer-to-peer. -peer. Ça ce serait pour le risque. Le proof of work, c'est une génération de blocs possible directement par un mineur participant au réseau plus ou moins des récompenses. Comparativement au proof of stake, c'est une fonction de la particularité de certaines crypto blockchains. Plus ou moins, euh, les acteurs du réseau en fait auront du pouvoir proportionnellement alors à la détention de crypto. Le mineur, le participant, le validateur se verra acquérir des droits de générer des blocs dans un intervalle de temps donné. Condition d'optimisation du temps par optimisation des choix de validateurs possibles, plus ou moins associés à des récompenses proportionnellement au processus consensus algo, plus ou moins la sélection attenant à des sélections de validateurs, plus ou moins algo traditionnel, plus ou moins... Résistant, tolérant aux failles byzantines, etc., etc. Allez voir mon paragraphe sur qu'est-ce qu'on appelle les consensus et euh, comment ils sont déclinés à l'infini. Alors, force du proof of stake, preuve d'enjeu. Ah bah elle apporterait normalement plus de sécurité des blockchains avec moins de consommation énergie, énergétique, parativement au proof of work. Donc, plus de perspectives de participants en réseau. Donc, plus ou moins des frais de transaction brûlés, là aussi, plus ou moins des quantités décroissantes. Donc là aussi, c'est des pourparlers des discussions. Ça dépend de euh, qui regarde et à quoi on compare. Usage. Donc cette technologie blockchain Ethereum, elle est quand même à la deuxième place des cryptos les plus populaires derrière le Bitcoin. Ça, on l'a vu, fondée en 2013, lancée en 2015, sa force reposerait sur euh, le côté historique du projet autour des smart contracts. En plus de ça, c'est une norme et un token central de levée de fonds. Est-ce que ça, ça pourrait répondre à des perspectives de révolution majeure, substituer, compléter, remplacer de nombreux corps de métiers, les avocats, les notaires, les huissiers, les procureurs, les bâtonniers, les élus, des personnes de la République Enfin, bon, bref, quelles pourraient être les promesses de ce challenge Enfin, on a des perspectives de cible et de marché qui est quantitatif et explosif. Donc, comme Bitcoin, Ethereum est une plateforme open source historiquement éprouvée, la plus avancée, proposant des smart contracts codés impérativement avec le langage Solidity, mais des apps qui, quant à elles, peuvent être codées avec n'importe quel langage, comme je l'ai dit, plus ou moins des API HTTP en HTTP assurant la communication avec la blockchain Ethereum. Le but, également, ce serait de bâtir des FinTech 4.0, des sortes de banques dirigées comme des entreprises technologiques financières. On va bien plus loin euh, que le Bitcoin, qui pourrait être une valeur refuge euh, de transfert euh, d'unités de compte, de valeur, appelez-le comme vous voulez. Là on irait bien plus loin en fait en euh, connectant notre monde réel à un monde virtuel. On pourrait par là même euh, disrupter les data centers, les clouds, voire même un cloud sans cloud, décentraliser les hébergements de Dapps, etc. etc. Donc, je vous ai présenté le, la blockchain Bitcoin comme étant le premier protocole de première génération le plus connu historiquement. Néanmoins, le second que je vous ai présenté, c'est celui de deuxième génération qui, en fait, marque tout autant les esprits et marquera peut-être également tout autant notre futur. Donc, cette technologie Ethereum, en fait, elle. Euh donne la possibilité de relier des smart contracts à ce protocole. Comme défini précédemment, des contrats qui vont déclencher automatiquement des transactions selon certains critères préétablis ou des conditions prédéfinies, fixées par avance pour valider l'action, les transactions, on-off. Au fond, euh, la technologie euh, blockchain Ethereum, c'est la techno centrale de l'avènement des smart contracts. C'est en quelque sorte la mère de sang, le fuel en quelque sorte du déploiement de tous les autres projets crypto majeurs et des autres générations également en plus de la blockchain Bitcoin. C'est la mère de l'implosion des ICO par euh, de multi crypto participation des levées de fonds, euh, voilà avec la rupture des IPO, c'est-à-dire entrée en bourse traditionnelle, avec une évolution du crowdfunding, du crowd equity, vers le monde des investissements complètement décentralisés. Alors, est-ce que ça, ça va nous amener euh, cette révolution, cette évolution, ce nouveau paradigme vers des catégories plus science et fiction donc, allez voir par exemple mon paragraphe 338 sur euh, qu'est-ce qu'on appelle un smart contract et la dématérialisation, l'automatisation des contrats. Qu'est-ce qu'on appelle un contrat ricardien, un template, euh, des bibliothèques permettant à des non-juristes, potentiellement des non-condeurs, de créer à ce moment-là des contrats. Est-ce qu'on pourrait entrevoir, euh, de voir émerger un code civil en 3.0, voire 4.0, euh, devoir mettre en place après, voire même hein, une justice 3.0, etc. etc. Allez voir également ma chaîne YouTube, donc dans le moteur de recherche YouTube, entrez yepapote.global, et euh, voilà, rentrez à un mot-clé si un de ces mots-clés vous intéresse. Donc, transposition euh, des smart contracts et changement de paradigme transposable à tout secteur confondu, on l'a vu, les métiers euh, des, des tiers de confiance, la justice, le juridique, le droit des contrats, des assurances, voire même la santé, la finance, les banques, le droit du travail, la production, l'industrie, les produits, les services. Qui, à terme, normalement, devrait nous conduire vers des multimilliards d'économies. Mais allez voir dans mon dernier paragraphe 6.5, combien d'investissements au départ pour arriver à avoir ces multi-économies. Donc, exemple, euh, je le traite dans euh, le paragraphe 6.5.3, blockchain de consortium de type R3 visant à harmoniser des communications interbancaires sur l'ensemble des territoires à l'aide d'une ou plusieurs blockchains. Soulager les institutions, les organes de contrôle, de supervision, cela reste à voir. Alors, permettre à des utilisateurs infinis d'utiliser la force du réseau Ethereum, ce serait ce qu'on viserait. La montée en puissance, à la grande échelle des possibilités, pour nourrir quoi Des possibilités de créativité infinies, pour créer même un nouvel univers, des défis additionnels à relever. L'opportunité de déploiement de ce type de blockchain et de ses moyens associés tels que les smart contracts viserait des opportunités supplémentaires qui viendraient appuyer les usages sous condition de pouvoir répondre à des contrats plus flexibles dans leur mise en œuvre et leur exécution. Bien que l'exécution des contrats simples, non complexes, standards, semble réalisable au sein de ce réseau fermé ou d'un réseau fermé, D'autres défis majeurs demeurent inhérents à influencer la popularité, pérennité des projets autour de la blockchain Ethereum. À quand la transposition dans notre quotidien? La promesse de connecter concrètement notre monde réel à ce monde virtuel? Offrira-t-il concrètement la promesse d'être plus simple, plus accessible, plus user first, plus user friendly, plus sécurité, sûreté, qualité? Les challenges et les défis à relever sont énormes et quantitatifs. Smart contracts, accès au stockage, aux propriétés de modification, aux réversibilités de ces smart contracts, des blockchains, des limites liées aux blockchains, publics, privés, des registres publics, de la data, de mettre en place des virtual machines, termes des contrats qui seront non modifiables, point d'interrogation, ou alors privilégier des blockchains plus ou moins sécurisés pour limiter les accès aux contrats, etc., etc., pour suivre et relever ces challenges, les futurs avocats devront-ils ou devraient-ils être capables de rupter eux-mêmes et peut-être même de rallonger la durée de leurs études et devenir des avocats spécialistes du droit de la justice plus ou moins des développeurs. Notre futur sera-t-il orienté multi-compétences intégrées Si on revient un petit peu autour de tout ça, euh, on revient sur la blockchain de deuxième génération. Y a-t-il un risque d'attaque 51 pour Ethereum, où permet-il de la contourner cette technologie Alors, est-ce qu'on a Ethereum a mis en place une avancée sécurité majeure comparée à la blockchain de première génération Bitcoin Le fondateur de a présenté récemment des solutions de technologiques d'optimisation. Vitalik Buterin a tweeté, évoquant le travail de, de recherche en informatique, notamment Leslie Lamport, au regard avancé sur des possibilités de résistance accrue aux attaques aux potentielles attaques 51. en août 2018 il tweeted, I, di I did not invent 99% fault tolerant consensus leslie Lamport did i just wrote an explainer and adapted it to a blockchain context please fix Donc, confère les chapitres sur les risques d'attaque 51%, le mining, la puissance de calcul pour comprendre effectivement si justement Ethereum, lui, contourne un risque majeur comparativement à la blockchain de première génération. Usage et projet d'application. Augure, qu'est-ce que c'est Augur Augure, Augure c'est un logiciel permettant de parier, de prédire et de spéculer sur la réalisation ou pas d'événements futurs. Usage, projet et application, attenant à cette blockchain de seconde génération blockchain, SlowKit également, qu'on retiendra. C'est un logiciel permettant de relier des objets du monde, de, du monde réel au monde virtuel sur la blockchain Ethereum. Principe, vous ouvrez et formulez la direction de votre pari en envoyant des Ethers proportionnellement à une cote préétablie. L'échange d'Ethers utilisera donc le gaz comme carburant du réseau également un autre mot clé consensus support Con, consensus support qu'est-ce que c'est on ne pouvait ne pas évoquer consensus alors ça c'est plus ou moins un projet français bien que jeune point d'interrogation mais plus ou moins solide industrie blockchain software fondée en 2015 plus ou moins adjacent sous-jacent au projet ethereum ethereum projet 2014 alors, donc pour revenir à Consensus, Joseph Lubune, cofondateur de Ethereum, aurait lancé plusieurs sociétés à la suite du projet Eutérum. Plus ou moins des matrices qui ont servi plus ou moins de matrices, plus ou moins de substances pour les nourrir, appuyer la croissance vitaminique des projets filles de la mère Eutérum. Point d'interrogation, quelle volonté Plus ou moins de très nombreux partenariats stratégiques stimulant des facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels de cette techno de seconde génération voire même stimuler des effets catalyseurs de la vitesse de déploiement d'adoption conf... confiance voire même en fait de euh, du déploiement de cas concrets. Il offre de nombreuses solutions logicielles plus ou moins euh, des projets, ça joue le rôle de porte-parole, des spokes, des speakers, des annonceurs, des passionnés, au fond des startups attenantes, plus ou moins dynamiques, sur des registres dits décentralisés, publics, privés, avec une avancée euh, renforcée sur la sécurité AML, anti-money laundering, lutte contre blanchiment, fraude, terrorisme, kawaii sin, no your customer. Euh, des proofs of physical address, etc. etc. Donc, et beaucoup de choses en support qui viennent renforcer la pérennité, faisabilité de tous ces projets autour des blockchains. Plus ou moins des encryptages de sécurité autour de données personnelles, sensibles, voire même des données médicales. Donc, là, on touche des transpositions et des user cases dans différents secteurs. Voire des données également à l'usage des secteurs automobiles, des solutions, plus ou moins des packs développeurs, plus ou moins même des stablecoins. Enfin, bon, bref, des projets infinis foisonnent. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur la roadmap Ethereum, les challenges et le challenge notamment de Constantinople. Optimisation des déploiements qui devait supporter l'optimisation du déploiement des 10 apps. D'abord, le projet en fait. Homestead, dans le temps, c'était l'augmentation. Il visait l'augmentation notamment de la vitesse de transaction et de la naissance, entre autres, de l'Ethereum classique. Donc ça, c'était pour la roadmap map séquentielle. On avait Frontier, puis Fork de Metropolis et Implémentation de Byzantium, entre autres Anonima, ZK, Snark, Gas, Sécurité. Et maintenant, un nouveau Fork de Metropolis. Ce sera une sorte de mise à jour de la dernière version des principaux clients. Et ça, ça devait viser à participer à améliorer les performances, ça devra viser à participer à améliorer les performances du réseau Ethereum et par là même diminuer les récompenses, mais augmenter la scalabilité, plus ou moins attenante à des sidechains, etc. Projet Constantinople en test net point Il était programmé, il est programmé pour le bloc. Euh, 7 600 000, voilà, euh, normalement en janvier 2019. Il a été reporté plusieurs fois. Le nombre terres créés par bloc devrait être réduit de 3 à 2, plus ou moins des solutions via Raiden de scalabilité en off-chain. Plus ou moins augmentation de la difficulté de minage par le Proof of Work et le Proof of Stake, associé à des logiques de diminution de récompenses et des améliorations. Exemple, ça viserait à interagir avec des contrats encore non déployés des notions de conception, des, introduire des notions de conception des state channels avec une approche orientée plus objet. objet. Point d'interrogation, c'est un challenge. Et création ainsi de futurs tokens programmés. Il y en a deux qui sont souvent évoqués dans les débats. Allez voir si c'est fake ou scam ou autre. ETCV pour l'Ethereum Classic Vision et l'Ethereum Noah euh, devraient émerger de ces forks et devraient être les futurs tokens. Alors néanmoins, je vous ai dit, faites attention, scam ou pas, il y a de grandes discussions ouvertes actuellement sur la notion de sécurité et de ces codes, notamment la sécurité autour des clés privées. Est-ce que c'est un risque majeur ou pas Attention, ne communiquez pas vos clés privées. Donc moi, scam ou pas, je ne sais pas, je ne m'avancerai pas sur le sujet confère autre plateforme d'audit sécurité des projets études de faisabilité pérennité functional specification avec la chaîne security euh, AG de Zurich qui a donné des recommandations de report du fork notamment de Constantinople pour des failles normalement techniques confère similitude avec le hack de la DAO où déjà des failles euh, n'avaient pas pu être anticipées et ça ça avait mis euh, en Place des euh, actions malhonnêtes et en fait il y avait une vulnérabilité dans euh, le gaz euh, d'un smart contract. Allez voir, je l'évoque au ch chapitre 564. Et confère également pour plus de détails, etc. Voilà les ressources web et les chapitres en dessous qui vont suivre.